Héro coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de ce Let's Play sur Dead Space 3. C'est officiel, on est dans des structures extraterrestres, on devient un monstre en xénolinguistique. Il est temps maintenant pour nous d'aller vérifier ce qui se passe dans le stockage d'artefacts. Sans plus attendre, place au jeu. En avant, let's go. Ok. Donc là on entre pour la mission facultative. Oh le bébé. Oh oui. Ça c'est bien, ça va nous rapporter quelques petits composants avant la fin du jeu. Ah, 3047. Close. 253. 217. Normalement les missions facultatives ça donne quand même pas mal de trucs. Ok, là on est parti dans Resident Evil. J'aime bien le do not stack quoi, les empiler pas quoi. Et il était nu quand je l'ai trouvé. Il s'était infligé de profondes blessures, pour une raison que je ne peux qu'imaginer. J'ai dû lutter pour prendre l'artefact dans sa main cassée. Un étrange objet, fait d'un matériau inconnu, activé semble-t-il par le son. Des mots sont gravés, j'en suis certain. Mais, si nous ne pouvons pas les traduire, je crains que son fonctionnement ne reste un mystère. Si nous avions plus de temps, je trouverais plus d'échantillons de texte. Et je le déchiffrerais. Ok. Donne des balles. C'est très bonne idée ça. Entrée zone sans gravité. Il me semble que c'était B pour décoller et contrôle pour atterrir si je me souviens bien. Ok, on va voir. Ok, donc c'était Alt. Et Alt. Donc ok, c'est bien Alt pour décoller et atterrir. D'accord, t'es mort là. C'est W pour... Voilà, se remettre dans le bon sens. Donc là on est descendu d'un étage. Et après il y a rien. Ça on prend. Déjà mort ça. Ça me paraît un peu bizarre tout ça. Les mobs qui s'activent quand on passe à côté quoi. Je vais me poser pareil. Hop, on check. Y'a pas des petits objets. Je m'attendais à un plan, pas un message. Alors on peut aller là. On va d'abord aller voir ce qu'il y a en bas, c'est intriguant. Sans mettre droit, ok. Donc ça c'est les trucs de gravité. Donc on se met droit. Ce serait beau qu'on ait su les tuer rapidement comme ça quoi. Bref. Hop. Sortie zone.
Purée de patate quoi. Ok, on a droit à la même blague. Je suis tombé. Je ne fais rien, hyper chelou. Ceci est en passant. Est-ce qu'il n'y a pas des messages? Object. Hop là, hop là. Guerrier. Ok. On doit commencer à parler alien. On est mort. C'est bon, le truc il a décollé. Ah, j'aime pas les trucs noirs là comme ça, là, les trucs huileux. C'est beaucoup plus balèze. Gratter quoi. Diplodocus qui est mort quoi. Oui, je sais le bruit que ça fait un diplodocus qui meurt. Quelques milliers d'heures de jeu à Ark peuvent en témoigner. Okay, ça vaut de la faire. J'utilise beaucoup trop de balles à faire ça. Oula. Oula, oula, oula. Marteau de Rega. Des composants. Nice. Ok. Et.
Alan. Et du coup, c'est quoi le plan? Va falloir que je me souvienne de tous. Final. 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 Bon. Final. Guerrier. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit, toi? Ok. Je regarde s'il n'y a pas des petites choses intéressantes en dessous. Il n'y a pas l'air. Non, non, je veux pas que des corps, mais tant pis. Qu'est-ce que j'aime pas, quoi? Pas revu depuis l'espace. Et oh, on n'a pas le droit de se gratter. Est-ce qu'il nous reste un petit truc à faire exploser? Bam, ça sera pour toi. Du gel somatique. Des trucs sans gravité là, c'est que... Pour retrouver les composants, Burn. D'accord, même pas. C'est bon, c'est ça, c'est ça. Ici c'est fermé, ah, on va pouvoir la débloquer. Pose-toi s'il te plaît, merci. Merci. Le petit jeu de l'ingénieur, let's go. Bankport. Quel corps? Je veux dire, il veut pas. C'était bon, quoi. Ça, c'est nice. Deux dégâts de chargeur. Chimique à charognard. Est-ce qu'on a les 3-4-A? On y croit. Ok baby. We got them. On peut tout faire. On est content parce que ça se souvient plus ce que c'était, quoi. Alors on va regarder ce qui coûte 3-4-3. Celui-là. Identificateur destructeur. On va faire ça, ça va être insane, quoi. Attention, attention. Et je m'attendais à un truc de ouf.
Ok. Non. Mode de mission, change automatiquement. Ok, c'est bon. Augmente le rayon. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Ah ouais! Ah d'accord, en fait, il faut vraiment faire ça. Quoi. Faut faire des armes avec schéma, quoi. Le truc, il fout plus de quoi. Bon, en même temps, on a pris l'arme un peu la plus chère. De balles. Je sens que ça va être un acte de barbarie intense. Et que ça va nous carry le reste. Ouais. Salut les copains. Et ça, Jean. Tatouage là. Je suis pas suis. Purée. Combien on a de trucs de soi. On a tout récupéré. Ok, ça c'est nice. Perfect. Du coup, c'est la fin de la mission secondaire. On va remettre ça. Ok, on va pas remettre ça. Je vais mettre ça dans l'atelier directement. Sacrifice. Sacrifice. Ok, d'accord. Attaché de s'en souvenir. On a fini la mission, donc c'est ça qui est étonnant. J'ai plus d'armes. On va le staser. On va se reculer un peu. D'accord. Sur une flèche. On appuie sur l'espace. Ça vient de ça, là. Attends, on a augmenté la stase de ouf là. Pas saisi. J'ai le temps. Est-ce que j'arrive à passer sur le côté? Je vais les emmener là. Mais pour Pastas. J'ai pas capté. Ah mais je vais staser trop tôt. Ok, let's go.
Non, me dis pas qu'ils sont là. Purée, il me faut des balles. On va sortir, donc là on monte tout en haut. J'espère que c'était là, je sais même pas où on va. Donc bon voilà, ça c'est fait. C'était worth it, on a notre petite arme. Ça c'est vraiment cool. Bon, le fait qu'on ait 0 balle, ça c'est pas très grand. Je viens de chercher pour tous ceux qui bloquent, en fait faut venir ici, ça fait ça, mais la porte elle s'ouvre pas. Et en fait tout ce qu'il faut faire c'est appuyer sur E. Tout bêtement, la touche d'action. Voilà. Ça fait une demi-heure que je galère, j'arrive pas à ouvrir la porte. Mis à part ça, la porte est ultra stylée. Les créatures. Bizarre cette histoire.
Allez hop. Tac tac, ça c'est good, ça c'est good. D'accord, c'était à peu près ça. Là les symboles sont sur le mur. Okay, on les a devant l'écran aussi. J'arrive pas à voir le dernier. Ça. Je comprends pas, ouais. Ça s'ouvre pas tout seul en fait. Allez, appuyez sur E. Belle bête. Carver, regardez ces cercles sur le sol. Ils augmentent notre télékinésie à fond. Ça fait un mal de chien. Et la stase alors? Quoi la stase? Et l'augmente aussi? Essayez, dites-le moi. On peut leur couper la tête. Comment ça? Là on a des balles. Qu'est-ce qu'il y a par là? On va rentrer ça tout de suite dans l'établi. Une place. Let's go. Quoi qu'on pourrait peut-être améliorer un petit peu notre arme. Je sais pas s'il nous reste des plus 1. On a quand même pas mal de plus 2, plus 2. Sacré bestiole. Ouverte
et que vous aurez suivi mes recherches, vous devrez revenir ici pour l'étape finale. Carver, tout ça fait partie de la machine. Merde alors. Bon, c'est vous l'ingénieur. Comment ça se répare? Nous allons suivre Serrano et relancer la machine. Je viens d'ouvrir un conduit menant au cœur de la ville. S'il y a des commandes pour le codex, nous devons les trouver. On y va. Let's go, baby. Ok, en contrôle, on est en vol. Trop stylé. Ouh. Et là on voit plus grand chose quoi. On est en balle, on en refait, ok c'est bon. On est pas mal. Plein. Déconnez ça encore. Ok, ça servait juste à faire de la superstase. Hé, hey, Carver! Je suis prêt à parier que grâce à la télékinésie améliorée, on sera capable de démembrer les nécromorphes directement! Super! Merci pour le tuyau! J'adore. J'arrive, bébé.
sûr que je vais m'en servir pour, pour éviter d'utiliser des balles. Voilà. Celui-là est bon.